vous allez voir, on va faire deux techniques. Une, ça va être pour soi. La première, ça va être la révision de mardi. C'est ça ? Merci coach. Coach de la caméra. Donc, on a dit, pour sortir d'ici, ce que je vais essayer de faire, je vais essayer de mettre un pied en spider guard, garde d'araignée. D'accord ? Ici. Je ne le mets pas ici pour faire joli. Je le mets ici pour créer une réaction à un levier. Bon. Parce que mon objectif, c'est de libérer cette jambe-là. Je veux que cette jambe-là, elle soit là. Je veux la ramener là. D'accord ? Donc si je suis là, là je peux pas. Et souvent, si lui, il veut garder la 50, il va plus pour le mouvement. Avec celui-là, ouais, enfin, avec celui-là, c'est très bien. Il va comprendre mon jeu. Et là, ok. Donc, moi, ce que je veux, ça, je vais batailler. Donc, si il a ce point-là, je vais prendre. Wow. Ok. Et là, je vais venir ici. Et je vais tendre et je vais aller sur mon côté. Là, du coup, c'est plus facile pour moi de sortir ma jambe. Et là, je la mets vraiment derrière. Là, ce que vous pouvez faire ici pour vous relever en sécurité, alors, venir ici, inverser les grips. Et là, faire un relevé en base. Boum, boum, pression, plaque. Excuse-moi, regarde. Boum. C'est une possibilité. Ok ? Je vais voir. Une fois. Il est là, il vous contrôle. S'il a un bon contrôle, des fois, n'ayez pas peur, vous pouvez. Shooter. Je contrôle. Demain sur un humain, vous serez toujours plus fort. Je pars pas juste comme ça. Je tends. Parce que plus je le tends, plus j'ai l'espace pour sortir mon pied. Et je le sors. Boum. J'inverse. Une fois que j'inverse, là je ne peux pas me lever, il manque un levier. Que, si vous n'arrivez pas à vous mettre sur votre avant-bras, le petit détail, vous ouvrez et vous venez. Je vous conseillerais d'essayer de venir, de ne pas vous lever tout de suite, mais. Vous voyez mon bras là, il est à l'intérieur de sa jambe, je conseillerais de venir ici pour vous lever. Et là je fais un relevé en basse. D'accord ? Si je me lève comme ça, je peux revenir ici. Pression. Ok. Maintenant. Technique 2. La nouvelle, ce que vous allez faire, vous allez prendre les, comment dire, avec vos deux mains, le bout de sa manche. Vous allez essayer de venir à chaque fois ici, d'accord? Et à chaque fois dans votre technique, vous allez faire attention à ce que lui, son genou part. D'accord? Si, en fait, là, pour le coup, c'est vous voulez le garder en fixé. Vous ne voulez pas qu'il parte. Donc, pendant que vous faites la technique, vous pensez qu'il ne faut pas qu'il parte. Là, voilà. Et là, ce que vous allez faire, vous allez vous décaler. Vous allez vous décaler le plus possible. Une fois que vous décalez, vous prenez son bras et vous tirez très fort vers vous. Et vous allez vous plus près. Vous ne prenez pas la tête avec la jambe, les prises et tout, machin. Ce dont vous avez besoin, c'est un peu de power dans les bras et de l'ombre. D'accord ? Souvent, les mecs qui ont un peu d'expérience, ils savent que quand vous allez là, c'est pas bon pour eux. Mais il peut le savoir et vous pouvez continuer à le faire. Il peut savoir, lui, il peut essayer de se remettre dans l'axe. Parce que de se remettre dans l'axe, bam, je peux venir ici, même si le coude il est loin, je tire pas. Pour les ceintures marron-noires qui sont là aujourd'hui, vous pourrez. Peut-être. Si vous faites la DCC l'année prochaine, faites le tableau. Faites le tableau. Ok ? C'est bon ? Pas besoin de revoir ? 1, 2, 3.